Yo, salut à tous, c'est Lecan pour Lecan.fr. Aujourd'hui, on fait le déballage d'un iPad gris sidéral en 128Go, iPad Wi-Fi, iPad tout court d'ailleurs. Hein, vous le voyez, c'est pas un iPad Air, c'est pas un iPad Pro, c'est un iPad tout court. C'est l'iPad de 2017. Apple revient à des noms un peu plus sympas. iPad tout court, iPad Pro, c'est plus logique, c'est plus cohérent, etc. C'est très très bien. Franchement, je vous l'ai dit dans une vidéo, je kiffe. Apparemment, on aurait du coup en gamme l'iPad, l'iPad Pro, le MacBook et le MacBook Pro, l'iPad Air, le MacBook Air, tout ça disparaîtrait. Cet iPad tout court est en fait un iPad Air première génération qui a été remis au goût du jour avec un processeur un peu plus puissant, pour faire très simple, avec Touch ID également. Et ça, c'est top, Moumout. Quand on ouvre, ben ça reste un iPad, de là rien d'extraordinaire. Elle est aussi épaisse qu'un iPad Air, etc. Ça m'a jamais trop dérangé d'avoir un iPad gros. Je trouve les autres iPads même trop fins et j'arrête pas de râler justement de la caméra derrière qui dépasse sur celle-ci, comme vous le voyez. Mais la caméra à fleur, on n'est plus sur les modèles comme sur les modèles d'iPhone 6S, 6S Plus, 7, etc. Et les iPad Pro où la caméra à l'arrière dépasse, celle-ci ne dépasse pas et c'est très bien. Donc, un iPad. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Le chargeur habituel, le câble Lightning et c'est tout, ça s'arrête là. Ceci, ça va derrière, clac. Notre iPad ici, qu'on va ouvrir à peu près proprement. Cet iPad est fourni par eConcept. Merci donc beaucoup à eConcept de pouvoir me permettre de vous proposer ce test. Là, c'est juste un déballage en réalité et le test va se faire après. L'iPad, donc, l'écran, on va l'allumer gentiment. Le truc qui pourrait me perturber, coucou, le truc qui pourrait me perturber, c'est que l'écran n'est pas laminé. Alors j'essaierai de vous faire des photos après, histoire que vous en rendiez mieux compte, mais c'est-à-dire qu'en fait on va voir tout simplement, est-ce que si je fais une mise au point manuelle, si j'arrive à faire une mise au point manuelle en faisant une vidéo surtout, c'est-à-dire que vous voyez normalement un jour, il y a un espace, on le voit, moi je le vois bien, je ne sais pas si vous en vidéo vous le voyez, sur les bords ça se voit, il y a un espace entre la vitre et l'écran LCD, il y a 1 ou 2 mm, et c'est pour ça que cet iPad est plus épaisse, parce qu'il y a tout simplement cet espace entre la vitre et l'écran, c'est ce qu'on appelle un écran non laminé. Les écrans laminés, la vitre est tout simplement collée sur le LCD, pour faire très simple, hein, on va passer le processus physique qui consiste à laminer un écran, mais en gros ça fait que ça permet de faire baisser le prix puisque c'est un process en moins, et c'est aussi pour ça que cet iPad est un peu plus épaisse. Donc c'est un chouille dommage que l'écran ne soit pas laminé, mais ça fait que vous avez un iPad dans les 400-500 euros, et ça c'est top parce qu'il y a beaucoup d'étudiants je pense qui vont kiffer cette petite iPad. C'était juste un déballage, je vous montre juste dessous qu'il y a juste des haut-parleurs en bas, on est toujours sur du Lightning, pas de haut-parleurs en haut, c'est pas un iPad Pro. On a les micros ici avec réduction de bruit, putain si ça veut bien faire la mise au point. C'est génial, hein, c'est propre, la technologie c'est vraiment bien. Les micros d'usage ici. Avec, donc un micro devant, un micro derrière, clac. La prise jack qui n'est pas partie là-dessus. La caméra qui est sur le côté, le bouton on-off, les boutons de volume plus, moins. Et puis voilà, grosso merdo, c'est assez épais, mais c'est pas dérangeant en soi parce que c'est un iPad qu'on a bien en main tout simplement. Et c'est un iPad low cost qui correspond parfaitement à l'usage que moi je vois d'un iPad qui servirait à lire, à consommer du contenu, etc. plus qu'à en créer. Et d'avoir un iPad à 400 et quelques euros, c'est une bonne solution, je trouve. Je vous laisse là-dessus, c'était juste un déballage et je vais faire mes muses avec.